am the strongest. Esanani eko sanana mayas. We hail you, we hail you, we hail you, we hail you, the Most High God. Olori eloye nika. Hey, we hail you, we hail you, we hail you, we hail you, the Holy One of Israel. We hail you, we hail you, we hail you. Okemwa is your name. We hail you, God. We join the host of angels and we hail you. There is nobody like you, God. We search and search. Hey, yeah, 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 yeah. Possibility specialists, the extraordinary strategists. We hail you, we hail you, Jesus. We hail you, God Most High. We hail you, great I am, the one that existed before existence. We hail you, I am that I am. We hail you. We hail you.
Zoche,
La touche qu'elle déjà paracouche à paladabaya. Kalende qu'elle est de gâchis paradabaya. Zapoucha kalide qu'elle est badouz ombre qu'elle de bezetele. Zembele de bochou taradabadia namande. Oko belle bia. Ecladiche parada. Sambaru ke belede. Isakushe baradabaya, eklado sombendere debeya, zebari shatara dabaya, zekila dabaso torodobosh, zembele debe shatara dabaya, lekiza tara dabaso torodobosh, rekele debe shinde deglaya, zambado sukele debe shitele bladash. Ora da banome bellisa brada bassa tara da baia. We hailed the great I am. We hailed Jehovah Jireh. We hailed Jehovah Shammah. We hailed Odorie Nore. Odorie Nore. Odorie Nore. Ebubedike. We hailed Kabiyosi. We hailed. We worship you, God. We worship you. We hail you. You are greater than the greatest. You are stronger than the strongest. Yes, anani eko sanana mayas. We hail you. We hail you. We hail you. Sempre de beijo, barulho, a concha, mamá, rondo, rondo, sempre de beijo, tarabasa, tarabasa, da, rondo de quibe, beijo, beleza, zina, zama, sarabasa, rondo, beijo, rondo, beijo. We join the world like you, God. 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 Zokolo do boshina radabaya, mantele de beze bere de be, shakara tada baza tara da baze, bere de be sotoro do boshata, mantele de brekele de boshu, barakusha babade, manta suprekete, manike balado. Ruke yesh balakasta dabaya mantu sobro kolo bosh
Que la douce était de prête, que la douce.
Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te remercions, Saint-Esprit. Une chose est sûre, c'est que tu es au ciel, Père. Et que ton esprit et l'Église sont sur la terre. Et qu'à l'Église, tu as remis les clés de la gouvernance, la royauté, la sacrificature. Et il est écrit que tu nous as fait lumière et sel de la terre. Laisse que ce soit les portes qui se sont ouvertes demeurent ouvertes à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je soumets tout esprit à l'écoute de ma voix, à l'obéissance de la parole de Christ. Je soumets tout esprit sous l'écoute de ma voix, à l'obéissance de la parole de Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aime de telles présences. Est-ce que vous pouvez sentir la présence de Dieu en ce lieu comme je la sens ici? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu chez vous comme je la sens chez moi? J'aimerais déjà qu'on me lise deux textes. Le premier texte, c'est Hébreux chapitre 13. Dans deux versions différentes. Prenez une version 8 secondes et une autre. Hébreux 13, 17. Le deuxième texte se situe dans 2 Chroniques 20. Après ce texte, je vais prier. On va prier. Et Dieu va nous faire du bien ce soir. Hébreux 13, 17 et 2 Chroniques 20, verset 20. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos responsables. Et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant et vous ne gagnerez rien. Amen. On peut prendre une autre version en 8 secondes.
J'aimerais que Luce prend ta version. Je veux deux lectrices. Cécilia, tu gardes ta version. Luce va prendre la version 8 secondes. Pendant ce temps, j'aimerais que tu ailles déjà dans 2 Chroniques 20-20. Si on peut aller rapidement, ce serait bien. La Bible dit, dans la version 8 secondes d'Hébreux, chapitre 13, verset 17. Il est dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Dans la version de ma fille, on disait, ils veillent sur vous comme devant rendre compte, quelque chose comme ça. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Et on dit, dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi. Afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. 2 Chroniques 20-20. 2 Chroniques 20-20. Le jour suivant, tôt le matin, tout le monde se met en route pour le désert de Tekoa. Au moment de partir, Josaphat se place devant eux et leur dit: Écoutez-moi, habitants de Jérusalem et de Juda. Mettez toute votre confiance dans le Seigneur votre Dieu et vous serez forts. Mettez toute votre confiance dans ses prophètes et vous remporterez la victoire. Dans ma version, on dit confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Il y a deux choses, ou du moins une chose qui revient dans les deux textes. Dans le premier texte que nous avons lu, on parle de obéir aux conducteurs. On dit obéissez à vos conducteurs. Et quand on parle de vos conducteurs, on fait allusion à des hommes. Et là, je rappelle que nous sommes dans Hébreux. Chapitre 13, verset 17. Hébreux, c'est un livre ou une épître, je ne sais, l'épître aux Hébreux, qui se situe dans le Nouveau Testament. Donc Jésus est déjà mort, il est ressuscité, il est au ciel, le Saint-Esprit est là. Et l'épître aux Hébreux nous dit, obéissez à vos conducteurs. De l'autre côté, dans 2 Chroniques 20-20, on nous dit aussi, confiez-vous en Dieu, de l'être affermi, confiez-vous en ses prophètes. La deuxième chose, ou du moins la même chose revient ici, on parle de se confier toujours aux hommes. J'aimerais rappeler en guise d'exhortation ce soir une chose. Dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle ou le Nouveau Testament, on parle toujours d'une certaine délivrance, une certaine prospérité quand on reste attaché à un homme. Ce n'est pas de l'idolâtrie, on n'idole pas un homme, ce n'est pas de l'adoration,
Ce n'est pas non, mais ce sont des principes. Ne soyez pas de ceux-là qui exhibent leur ignorance en disant « Jésus est mort, il a tout accompli, on peut aller au ciel seul. » Écoutez-moi, Église, si on pouvait aller au ciel seul, grandir dans les choses de Christ seul, Jésus n'allait pas laisser en partant 5 ministères. Si on n'avait plus besoin des hommes, il ne devait pas avoir des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Chacun a son rôle. Donc, ça voudrait dire, même dans ce qu'on dit l'ancienne alliance, la notion des pères spirituels est toujours d'actualité. Ce sont les conducteurs. C'est ainsi qu'il est écrit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Vous avez besoin de conducteurs. Et vous devez comprendre, un conducteur n'est pas forcément quelqu'un qui est plus âgé en âge ou en qualité sociale. Hébreux 13 dit, obéissez à vos conducteurs parce que ce sont les gardiens de vos âmes. Laissez-moi parler comme un prophète, quitte à ce que je vous choque, mais je veux le dire quand même. Le gardien d'une âme, c'est différent du gardien d'un enfant. Vos parents sont vos gardiens. Ils vous gardent physiquement. Votre mère, pour ceux qui en ont encore, vous garde physiquement. Votre père vous protège physiquement. Mais pour une protection d'âme, ce n'est pas ton père biologique. Tu as besoin d'un gardien. À ce niveau, c'est là, excusez-moi de ce que je veux dire, mes propos n'ont nullement l'objectif d'inciter des rébellions de désobéissance. Obéissez à vos parents, c'est écrit. Mais comprenez qu'un père spirituel, une autorité spirituelle sur ta vie, a plus d'autorité qu'un père physique ou une mère physique. C'est la Bible. Ta maman physique ou ton père physique ne peut jamais garder ton âme. Elle peut prier pour toi. Mais ton conducteur garde ton âme. Il est impossible que tu aies un conducteur, quelqu'un qui est ta couverture, et on vient te tuer devant ses yeux. Tu meurs. Non, c'est impossible. Si tu es réellement sous quelqu'un, c'est impossible que cela se fasse sans qu'il ne soit au courant. Alors ce soir, j'aimerais vous dire, en guise d'exhortation, avant que l'homme commence à prier, parce que le ciel est déjà ouvert ici, craignons Dieu. Aimons Dieu. Mais comprenons une chose. Dieu travaille dans l'ordre de la hiérarchie. Il y a un certain honneur. Je ne sais pas si on dit un certain. Une certaine considération que vous devez avoir par rapport à votre père spirituel. Les paroles, les propos, les dires de votre père spirituel doivent être prises avec beaucoup de considération et de sacrement. Parce qu'un père spirituel, c'est un homme sacré. Est-ce que les esprits me comprennent? Et on nous dit dans Hébreu, obéissez-les. S'il vous plaît, c'est Hébreu. Il dit obéissez. Parce que ceux-là, ils devront rendre compte à cause de vos âmes. Et j'ai aimé ce qu'une de mes filles a dit il y a quelque temps. Quand on parle d'âme, on parle de sang. On parle de sang. C'est là que vous comprenez pourquoi Jésus dit aux apôtres, allez-y, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés leur seront pardonnés. Comment un homme peut pardonner le péché? Donc là, je suis là. Si tu pèches, je peux dire à Dieu, ce péché-là, interdiction de pardon. Je n'ai pas blasphémé. S'il n'y a que des ignorants qui vont dire, est-ce qu'il se croit Dieu? Il pense qu'il est Dieu. Oui.
Parce qu'un père spirituel, une autorité spirituelle, détient un pouvoir de vie ou de mort. Quelqu'un qui garde ton âme peut décider si tu vis ou si tu meurs. Est-ce que je parle à des esprits qui sont ici? C'est choquant, c'est troublant, non? Or, il n'y a que Dieu qui a le souffle de vie entre mes... Dieu, écoutez... Quand on grandit, pourquoi pensez-vous que, je crois que c'est dans Jacques ou Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, je crois, ou 5 ou 4, où on dit... Enfant, 6 verset 1. Enfant, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6 verset 1. Honore ton père et ta mère. Il y a une promesse afin que tu puisses vivre longtemps. Comment le fait d'honorer rallonge la vie? Donc, un enfant honore ses parents, ça rallonge sa durée de vie sur la terre. Ça ajoute. Il est possible que même si Dieu a dit tu vas vivre 120 ans, il y a des principes. Il y a des principes, quand tu les appliques, ça crée l'exception sur la loi que Dieu a établie. Donc, Dieu a peut-être établi une loi. L'homme sur la terre doit vivre maximum 120 ans. Toi, tu rentres dans une autre loi, parce que vous devez comprendre, pour briser une loi, il faut une autre loi. Donc, l'obéissance à une loi automatiquement annule une autre loi sur toi. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont fait droit comprennent très bien ce que je dis. Le monde est fait des lois. Si le monde est fait des lois, ça veut dire la terre physique a des lois. Ton corps a des lois. Ton esprit a des lois. La loi à laquelle tu te soumets, automatiquement, tu vas jouir des bénéfices ou des profits de cette loi. Et cette loi a la capacité d'annuler certaines lois contraires à elle sur toi. C'est ainsi qu'il est écrit que la loi de l'esprit de vie, Romains 8, verset 2, en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et la mort. Donc, pour être affranchi de la loi du péché et la mort, tu dois te mettre sous une autre loi, qui est la loi de la vie, au travers de l'Esprit de Dieu. Sans l'établissement de la loi de l'Esprit de vie, on ne devait nullement avoir accès au trône. Le monde est fait des lois. C'est la raison pour laquelle je vous dis, Église, arrêtons, ne soyez pas ignorant. Ne faites nullement l'erreur d'exhiber votre ignorance par des propos futiles et rabaissants, pensant connaître, mais tu ne te rends pas compte qu'en fait, tu es en train de montrer que tu es tellement ignorant. Jésus a tout accompli à la croix. On n'a plus besoin de payer les prix. Jésus a tout accompli. C'est l'ignorance. C'est les enseignements des CP1. Quand tu grandis, tu comprends que même si Jésus a tout accompli, il y a un prix que toi, tu dois payer pour entrer dans tout l'accomplissement que Christ a fait. J'ai aimé l'exemple qu'un homme de Dieu a eu à prendre. Est-ce que je peux vous poser une question ici? La question est celle-ci. Qui parmi nous ici a dans sa maison du savon? Qui a du savon dans sa maison? Tu es là, tu as du savon dans ta maison. Le savon. Ok.
Donc, nous tous ici, nous avons du savon à la maison. Voici maintenant ma question. Est-ce que c'est parce que nous avons du savon à la maison que ça veut dire que nous sommes de facto automatiquement propres tout le temps? Est-ce que parce que tu as du savon, que tu es toujours propre? Mais pourquoi vous ne comprenez pas alors la notion de sacrifice? Pourquoi? Pourquoi quand on vous parle d'offrande, sacrifice, jeûne et prière, vous vous plaignez tout le temps les jeûnes, tout le temps les offrandes? Vous pensez que la vie spirituelle ou la vie en Christ, c'est gratuit? Avez-vous déjà vu une chose qui est gratuite sur la terre? Tout a un prix. La délivrance a un prix. Le succès a un prix. Tout a un prix. Angela, tu peux avoir du savon, mais si tu ne prends pas le savon, tu prends de l'eau, tu vas à la douche, tu vas toujours sentir, tu seras toujours sale. Quand vous lisez les Écritures, lisez-les avec les yeux de l'Esprit. Même Jésus lui-même a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Comment vous expliquer que le Christ qui est mort sur la croix dit encore à quelqu'un de porter sa croix? Il y a deux croix. Il y a la croix du Christ qui nous confère dans une grâce, une certaine dimension spirituelle. Mais celui qui veut jouir de ça doit porter sa croix. C'est ainsi. Le mariage est disponible. Il y a certaines personnes pour qui se marier n'est pas un problème. Mais il y a des gens pour qui, à cause des liens de famille, tu dois payer un prix pour te marier. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Nos problèmes varient en fonction de nos cadres familiaux. Familier, je ne sais pas quoi, familiaux. Comme vous voulez, le cadre des familles. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Il y a des gens qui ne tombent pas malades comme moi. Moi, je peux faire des années, je ne tombe pas malade. Mais dans ma famille, il y a d'autres blocages, il y a d'autres liens. Il y a des gens pour qui c'est la maladie dans la famille. Il y a des gens pour qui c'est le travail. Il y a des gens, quand ils terminent le travail, ils travaillent. Quand ils terminent l'école, ils travaillent facilement. Chez eux, les plus grands problèmes, ce n'est pas le travail. Il y a d'autres, l'argent, c'est facile. Mais il y a des problèmes pour se marier. Il y a d'autres, se marier, c'est facile. Mais pour avoir des enfants, il y a des problèmes. Il y a d'autres, ils ont tout. Mais les enfants qu'ils mettent au monde sont des bandits, des braqueurs, des violeurs. Chaque famille a des côtés où ça va, mais aussi des côtés où on doit payer le prix. Quel est le domaine de ta famille dans lequel tu dois payer le prix? Quel est le domaine, quand tu regardes ta famille, chez vous, les difficultés se trouvent à quel niveau? Il y a des familles, vous allez voir les filles, excusez-moi de l'expression, sont des prostituées. Des prostituées modernisées. Elles changent les hommes chaque semaine. Il y a une nouvelle forme de prostitution. Ce n'est pas seulement aller chez les autres. Il y a des gens, les copains, on les change après des mois. Chaque mois, tu changes des copains. Chaque semaine, tu ne te rends pas compte que tu te gaspilles. Il y a des gens pour qui se garder dans la sainteté, c'est un problème dans la famille. Il y a des gens pour qui c'est normal, avant d'être marié, faire les enfants hors mariage. Il y a des lois. Il y a des familles dans lesquelles un homme doit toujours tromper sa femme ou une femme doit toujours tromper son homme. Il y a des familles dans lesquelles c'est la rancune, la colère. Quel que soit son niveau, son rang, lui s'est débarrassé de ça, c'est un problème. Chaque famille, il y a des choses. Les filles sont belles, elles sont vierges,
et n'ont pas fait la vie, mais pour se marier, c'est compliqué. À un certain âge, les enfants meurent, les jeunes filles meurent. On ne doit pas dépasser 30 ans. On ne doit pas dépasser seconde, deuxième année. On ne doit pas, personne ne doit voyager. Quand on fait les papiers pour voyager, problème. Quand tu trouves un bon mari, problème. Il y a des familles dans lesquelles il y a les lois. À un certain âge, vous devez divorcer. Vous avancez bien. Et quand vous regardez le background, tout le monde a divorcé. Nous, quand on atteint 30 ans, on divorce. 20 ans, on... Donc, il y a des lois. Donc, avec tout ça, Désirée, ma fille, tu penses que c'est encore le temps de blaguer avec la vie? Tu penses que c'est encore le temps de blaguer avec la sanctification? Avec tout ça, vous pensez que c'est encore le temps de blaguer et de prendre les choses dans un contexte humanoïde? Or, nous sommes dans une vie qui est proprement mystique et spirituelle. Je décrète et déclare, dans le nom et souverain nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les lois, les alliances qui te tenaient en captivité dans quelconque domaine de ta vie se brisent maintenant. Se brisent maintenant. Se brisent maintenant. J'ordonne à toute oppression qui vient du monde des ténèbres et qui te pousse à répéter une vie quelconque d'un membre de la famille par le nom, par le sang, ou par le lieu dans lequel tu as grandi. Je maudis maintenant ces esprits et je les éradique de ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu pries. Commence à arrêter ces choses. Active ton micro et prie. Dis à Dieu, j'arrête ces lois. 60 secondes, prie le Seigneur. Arrête ces lois. Dans le nom de Jésus-Christ, on licence ces lois, on retienne ces lois, on retienne ces lois, on retiens dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans une atmosphère prophétique. Et étant dans cette atmosphère, connecte-toi à toutes les paroles qui seront émises, qui seront
transmise ici. Il y a quelqu'un ici, je vois, c'est écrit Suzanne. Il y a ma fille ici qui s'appelle Suzanne. Quand je vois Suzanne ici, maman Julie, je m'en vais au Gabon chez vous à Port-Gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre congrégation au nom de Suzanne? Non. D'accord. Par contre, j'avais une belle-sœur qui s'appelle Suzanne qui est décédée. Ok, d'accord. Je laisse Suzanne là. Je vois deux choses. Je vois comme une femme à côté de vous qui a des problèmes de fécondité. Quand je dis à côté de vous, je parle de votre milieu environnemental, mais mon esprit est beaucoup plus dans la congrégation. La deuxième chose que je vois, toujours dans la congrégation, je ne sais pas si je vois comme une femme qui est veuve ou orpheline, mais elle vit seule, mais elle a comme un enfant. Oui, j'ai. Dans la congrégation, j'ai deux femmes, deux jeunes femmes qui sont veuves. Avec des enfants. Et j'en ai aussi qui cherchent des enfants qui ne conçoivent pas. D'accord. Je reviens. Je reviens. Est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu? La puissance de Dieu n'a aucune limite. Je vois trop de choses. Je vois trop de choses dans mon esprit. Et je me force à être calme afin de ne pas aller en désordre. Si Angela peut réactiver sa caméra, ce serait bien. Et pendant ce temps, je ne sais pas si Gisèle est là. J'ai vu comme Gisèle, si c'est Marie-Gisèle, quelque part. Angela, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. C'est vous qui êtes au Brésil? Oui, c'est moi. Ça fait longtemps. Oui, mon téléphone était perdu. Ok. Vous êtes de quelle nationalité? Haïtienne. Vous parlez bien français, ça va? Un peu. D'accord. Je vous ai vu en train de pleurer. Et pendant que vous étiez en train de pleurer, vous aviez un enfant à la main. Et c'est après que je vous ai vu porter l'enfant tout à l'heure, là. Et pendant que vous étiez, Kaladabaya, pendant que vous étiez avec l'enfant là, mais vous étiez en train de pleurer, mais quand vos pleurs allaient dans deux choses, dans deux domaines. Le premier domaine, mais ce sont les deux domaines liés. C'était par rapport au travail de votre mari, dont j'ai déjà parlé ici une fois. Et le deuxième domaine, c'était par rapport aux finances de la famille. Mais je vois un autre domaine, par rapport à votre domaine de santé. Est-ce que ça va? Non. Quand je parle de votre domaine de santé, mon esprit va... je cherche un mot pour dire ça.
de manière décente. Le problème que vous avez, ça se situe où? Dans le ventre. Dans le ventre. D'accord. C'est quelque chose qui est là ou bien qui a commencé depuis l'accouchement? Il était là, mais je ne l'ai pas aperçu. C'est après l'accouchement, je l'ai découvert. Parce que je vois comment ça se manifeste dès que vous terminez l'accouchement et c'est là où le processus commence. Oui. Votre mari, il est où? Il est au travail. Excusez-moi, il est quelle heure là-bas? 18h. Ok. Chez nous ici, il est 21h. Maman Angela, bienvenue à ITS. Amen. Mais pendant que je parle au-delà de la douleur de ceci médical, je vous vois comme isolé de votre famille. Votre famille, vous allez bien? Non, ça ne va pas. Je disais, je vous voyais comme isolé, c'est-à-dire comme si vous êtes un peu loin de la famille, comme distante de la famille. Oui, je suis très distante. Ok. Là, on est au Brésil. D'accord. Dieu va régler un souci. Vous travaillez? Comment? Est-ce que vous travaillez? Oui, j'étais au travail, mais à cause de l'enfant. Vous avez arrêté à cause de l'enfant? Oui. Et vous allez reprendre dans bientôt? Oui, oui. Angela, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Diane? Diane ou Diana? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas ce nom. D'accord. Ça peut arriver, il avait un autre nom. Oui, il peut avoir un autre nom. La douche complète, Splatus que le debeyan tore de pechito de barra. Leglaso de le debeya. Radadoski que le varados que le barra. Voici ce que Dieu va commencer à faire. Désolé de ce que je veux dire, mais je vois comment il y a la sorcellerie qui est comme autour de vous, comme en manifestation autour de vous. Mais je vois ça, comment ça provient de votre contexte familial. Vous m'entendez? Oui, oui. Je n'ai pas dit ici que X ou Y est sorcier. Mm-hmm. Mais j'ai dit... Je vois la manifestation de la sorcellerie par rapport à votre contexte familial. Maintenant, voici ce que Dieu me dit. Je suis en train de voir la voix de Dieu dans une vision.
Et la première chose que Dieu me dit dans la vision, c'est qu'il va commencer à vous restaurer par rapport à votre domaine de santé. Vous avez dit sur le bas-ventre, mais je vois comme quelque chose aussi qui n'est pas loin. Vous avez dit sur le ventre, mais je vois comme quelque chose qui n'est pas loin du bas-ventre. Il y a... Comment... Il y a une bête dans mon ventre. Lorsque je suis réveillée le matin, je vois le griffe. Vous voyez? Merci. Je vois le griffe. Voici le griffe. Le griffe. Vous voyez là? Vous voyez le griffe? Doucement, maman. OK. Je vois le griffe. Le griffe. Le griffe. Ah, d'accord. J'aime ce que Dieu m'a fait tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui bouge dans votre ventre. C'est comme si il est en train de manger à l'intérieur de mon ventre. Parce qu'il me pique. Puis je ressens la douleur à l'intérieur de mon ventre. Le manger, ça? D'accord. Je comprends très bien. Et ça vous amène parfois à avoir des très fortes douleurs. Oui, beaucoup. Parce qu'il me pique tout au niveau de mon lombril. Parce que je suis en train de voir, parfois vous avez même, c'est comme si vous êtes courbé. Vous avez très mal, oui, parfois. Oui. Excusez-moi, mais ça va sortir. Ça va, maman. Ça va sortir. Vous croyez à la puissance de Dieu? Oui, je crois à mon Dieu. Est-ce que vous avez déjà accepté Jésus dans votre vie? Oui. Vous connaissez Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Shadaba. Vous êtes seul là? Comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous là? Non, je suis avec mon bébé. Bon. Vous êtes avec le bébé. Oui. Vous êtes avec le bébé. Père, je prie que ce bébé ne mourra pas au nom de Jésus. Personne ne viendra le prendre dans la nuit au nom de Jésus. Je décrète qu'il est gardé, qu'il est gardé, qu'il est gardé, qu'il est gardé. Et lui, Klaus, Eli Kabada Zumbeledia. Et lui et sa maman. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais tout à l'heure, maman Angela, que je vois la manifestation de la sorcellerie autour de vous. Oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas de sommeil. La nuit, j'ai reçu beaucoup, beaucoup d'attaques. Je fais plusieurs rêves. Pour mon enfant, je vois qu'on a volé mon enfant. On vole l'enfant comme si on vous agresse. Lorsque je vis qu'on a volé mon enfant, je n'ai pas vu mon enfant. Je suis en train de pleurer dans le songe. Lorsque je suis réveillée, je suis levée, je suis priée. Votre enfant, il a quel âge? Elle a 2 ans. Et non, 2 mois. 2 mois et demi. Oh. 2 mois. Je m'appelle prophète Azaf Emel. Et vous avez foulé une terre quand on la foule, qu'on le veuille ou pas, quand on s'accroche à la parole, parce que chaque terre détient une parole. Et la terre sur laquelle vous êtes s'appelle impact transformation surnaturelle. Amen. Vous êtes à la maison du surnaturel.
vous êtes à la maison du surnaturel. J'ai peur de commencer à prier parce que j'ai peur que vous soyez secoué et que l'enfant tombe. Donc, du coup, je suis en train d'essayer de m'arranger avec le Saint-Esprit et les anges afin de commencer à opérer dans le calme. Déjà, il y a une chose que l'Esprit fait à l'instant. Je vous annonce que dans votre famille, dans le mois qui est en cours, quelqu'un va mourir. Oui, il y a un homme fort qui me combat. Oui. À moins que Dieu ne m'ait pas appelé, que je ne suis pas prophète. Yes. Il est écrit, confiez-vous en ces prophètes et vous allez réussir. Pourquoi Christ le dit? C'est parce qu'il sait que la Bible le dit, parce que Dieu connaît qu'il n'y a que des hommes pour régler les problèmes d'hommes. Et les dieux règlent les problèmes des dieux. Et il y a des situations, quand ça ne va pas, il faut aller rencontrer un dieu. Mais un dieu qui a la capacité de comprendre les problèmes des hommes, qui peut être visible. Ah, prends ça comme tu veux prendre. Vous devez comprendre que nous sommes dans l'ère de la manifestation des divinités dans le corps d'homme. Ladash, Kladush. Je suis en train de faire une vision. Dans la vision, c'est comme si je suis dans l'un de vos rêves. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire un rêve. Ou dans ce rêve, vous êtes en train de courir parce qu'on vous poursuit. Mais, oui, Paladush, Pradush. Vous êtes en train de courir parce qu'on vous poursuit. Non, je fais un rêve, je vois que j'étais dans une chambre. Je vois que la porte s'est ouverte, je me suis couru. Après, je vois l'homme fort court après moi. Et je suis aussi en train de voir pendant que je parle, comme s'il arrive dans vos rêves, c'est comme si on veut vous brutaliser sexuellement. Oui, on me viole sexuellement. Sexuellement, oui. Pala dougle gevahadia. Mais ils ont pris les gens qui vont me violer, ils ont pris le visage de ma mère. Après, je fais un son, je vois que ma mère vient me coucher, faire le texte avec moi dans le songe. Mais je me suis parlé avec ma mère. Je dis, maman, tu es une femme, mais pourquoi tu couches avec moi? Je me suis enlevé. Lorsque je suis élevé, je vois le visage d'un homme. C'est le visage d'un homme qui n'est pas, mais ce n'est pas ma mère. Maman, je vous ai dit votre famille là. Vous êtes actuellement au Brésil. Mon esprit quitte le Brésil, il va en Haïti. Dans votre congrégation au niveau de l'Haïti, je vois comment les descendants de votre village adorent une divinité attrait aux eaux. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Il faut vous renseigner. On adore les eaux. Et il y a comme une danse que l'on fait autour des eaux, avec les reins. C'est-à-dire, on danse avec les reins autour des eaux. Maintenant, je vous explique. Tu vois des histoires de six et demi. Prophète. Vous avez. Oui, prophète. Ce n'est pas ma famille. Vraiment, c'est le mari de ma maman qui pratique cela. Mais le mari là, ce n'est pas ma famille vraiment. C'est lui qui pratique tout cela. C'est le mari de ma maman. Mais ce n'est pas mon père. Mais à cause de ma maman, j'ai un lien de familier avec lui, mais ce n'est pas mon père. C'est le mari de ma maman.
Votre père géniteur, il est où? Il n'est pas avec ma maman. On peut commencer à rentrer ici. Je vais commencer à expliquer en Haïti. C'est en Haïti qu'on parle le créole? Oui, oui, le créole. Le créole. Ok. On va prier tout de suite. J'aimerais que vous puissiez faire quelque chose de très simple. Mettez votre main au niveau de votre bas-ventre. Hormis les griffes que vous nous avez montrées là, vous avez encore d'autres griffes? Oui, oui. Désolé de ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes blessé entre vos jambes? Oui, oui. Il me griffe partout. Là, ici, ici, ici. Vous savez, l'Église, Dieu est un Dieu qui révèle des choses, parce que quand il révèle certaines choses, il a marqué dans le règne spirituel la fin du règne de Satan. Là, ce n'est plus des rêves normaux, je ne sais pas comment on dit. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'interpelle. Ne néglige pas tes rêves. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu te lèves avec des blessures. Tu te lèves avec des bleus. J'ai seulement rêvé, j'ai seulement rêvé. Le monde spirituel existe. Maman, tais-toi d'abord. On va prier. On peut prier? Oui, papa. Mettez la main au niveau de votre bas-ventre. Dieu des esprits, des prophètes. Dieu des apôtres et des prophètes. Je prie pour Angela. Angela. Je décrète et déclare, pendant que je parle, sur la base des Écritures qui stipulent que, en mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. J'ordonne et déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit qui dérange sa vie, Père, dans le domaine de la santé, à l'instant où je parle, vous libérez son corps maintenant. Toute substance qui a été mise en elle, qui dérange, qui crée des douleurs, Père, j'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Tu libères. In Jesus' name. Je t'ordonne de sortir maintenant. Je t'ordonne de sortir, tu libères quelle que soit la voie par laquelle tu es rentré, par le sexe, la nourriture, quel que soit le moyen par lequel tu es rentré, tu sors par la voie basse maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que
tu es venu libérer les captives. J'ordonne que ta fille soit libre, car là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. Que le ciel se mette en mouvement en sa faveur, dans le nom de Jésus. Je commande à ce que ces nuits soient paisibles au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui tourne autour d'elle, autour de sa fille, je viens arrêter cela maintenant au nom de Jésus. J'arrête cela au nom de Jésus. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que sa fille est protégée. J'étale une barrière autour d'elle. J'étale une barrière autour d'elle. Et quiconque dès ce soir voudrait encore y avoir accès à leur vie, qu'ils rencontrent le Dieu de mon appel, je décrète et déclare tout individu qui se cache derrière ça, se trouvant dans la famille, que mais ne termine pas. Père, que ces personnes meurent. Je limite leur durée de vie sur la terre au mois de mai. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors voici ce qui va se passer. Il va arriver que même quand ce ne sera pas votre période menstruelle, que vous puissiez voir comment du sang sort. À l'instant où je parle, un mouvement a commencé même au niveau de votre ventre. Il pourrait arriver que dans cette nuit à demain, il y ait du sang qui sorte. Il y a des choses qui sortent. N'ayez pas peur. Ne prenez pas peur. Mais c'est Jésus-Christ qui sera en train de parachever ce qui vient de commencer maintenant. Et votre fille est bénie. Elle va grandir. Elle ne va pas mourir. Personne n'aura accès à sa vie dans le but de la détruire. Elle est protégée. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'aime ce que Dieu fait. Maman Angela, je mets pause là. Vendredi prochain, si l'esprit me ramène, je mets play et je vais continuer. La choque belle criada. Gisèle Manganga. Oui, prophète. Vous allez bien? Oui. Vous travaillez où? Vous travaillez où? Au Maroc, je suis au Maroc, centre d'appel. Vous êtes déjà au Maroc? Oui. Vous êtes parti quand? Mars 2022. D'accord. Vous avez fait quoi à l'école? Management des entreprises. Management des entreprises. Oui. Je vois Dieu qui vous ouvre une porte dans le travail. Amen. Je vois Dieu qui vous ouvre une porte dans le travail. Mais c'est comme si ce travail-là touche des choses à trait avec le côté technique. Je vois comme des choses, soit électricité ou eau. Amen. Au Sénégal, on appelle ça Sénélec, Sénéo, comme vous connaissez.
Amen. Vous comprenez? Oui. Dieu me dit qu'il vous donne le travail. Amen. C'est la parole que j'avais pour vous. Amen. Je vois comme si vous discutez avec quelqu'un. Vous êtes marié? Allô? Vous êtes marié? Non, pas encore. Vous discutez avec quelqu'un? Oui. Et il est au Sénégal? Oui. Parce que je vois même parfois vous dormez tard la nuit. Quand vous n'avez pas travaillé la nuit. Est-ce que vous discutez? Oui. Est-ce qu'il joue au ballon? Non. D'accord. Il faut bien choisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Demain, venez témoigner par rapport au travail, par rapport à la délivrance, au nom de Jésus. Et quand je dis que Dieu vous bénisse, je décrète et déclare même à toi aussi qui est là, qui m'écoute, que Dieu te bénisse. Je ne connais pas ton besoin, mais je dis que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Donc, si tu es là, tu désires aussi avoir le travail, pendant que Dieu donne le travail à quelqu'un ici, Dieu te donne le travail maintenant au nom de Jésus. Pendant que Leïla a mis amen en commentaire, l'ange de Dieu me dit qu'il lave tes mains. Leïla, l'ange de Dieu me dit qu'il lave tes mains. Et quand il me dit « lave tes mains », je suis en train de voir comment à partir de l'instant où il a commencé à laver tes mains, je vois comment tout ce que tu touches commence à prospérer davantage. Maintenant, je retourne chez maman Julie. La vision vient de continuer chez maman Julie. Maman Julie. Tout à l'heure, je vous ai parlé des femmes veuves ou orphelines, je ne sais pas, des femmes qui vivent seules. Dans mon esprit, je vois des femmes qui vivent seules, qui ont des enfants. Parmi elles, je vois une femme avec un enfant, mais c'est comme un jeune fils. Mon esprit va dans la tranche de 13 ou 14 ans par là et peut-être plus. Je vois une femme. Et j'ai posé la question à Dieu, pourquoi je vois ça à travers la congrégation? Est-ce que maman Julie m'entend? J'ai comme Cabra douche que le devait me dire. Paradabasha, taradabaya, tamaludia. En attendant que maman Julie revienne, je vais prier pour ta fille qui est malade. Qu'est-ce qu'elle a? La particularité est avec le prophétique ou l'atmosphère prophétique, c'est que quand on navigue dans l'atmosphère prophétique, même si on ne parle pas de toi, même si on ne te parle pas à toi, tu peux te connecter à la fréquence et recevoir ce qui était destiné à une autre personne, tu reçois cela. Parce que tu te connectes avec foi. Tu te connectes avec foi. C'est la raison pour laquelle, pendant que ma fille est là et que je suis en train de la regarder, je suis en train de voir comment ton supérieur aura une conversation avec quelqu'un par rapport au fait de t'élever des grades et de t'échanger le poste. On va même parler de ce que tu vis seul, tu as un enfant,
et tout. Là, je suis en train de parler à ces filles-là comme ça. Et c'est comme ça qu'on va t'échanger des grades. C'est pour très bientôt. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il va te redonner le temps qu'a dévoré les sauterelles. Tu ne vas pas comprendre, mais tu ne vas pas comprendre, mais les choses vont commencer à monter, à monter, à monter, à monter, à monter. Mais pendant que je parle, ces filles, hein, c'est comme si l'Esprit de Dieu me dit, il a fait sciemment d'attendre. Il m'explique et il me dit, il voulait te séparer de certaines personnes, certaines relations au niveau de la France. C'est la raison pour laquelle il a fait sciemment d'attendre. Mais le temps est venu. Shadabaya. Kembra duzeke. Klikavahadaj. Désolé de ce que je veux dire. Il y a des portes dans lesquelles parfois Dieu veut nous faire entrer seul. Quand il sait que tu as trop un gros cœur là, que si tu rentres, tu vas amener les autres. Il attend de te laisser dans une saison où personne ne sera à côté de toi. Du moins, c'est des personnes qui ne sont pas de ta destinée. Et après, il te fait rentrer seul. Après, il te fait rentrer seul. Et c'est ainsi que Dieu est en train de me dire, pendant que Luce a mis vérité, Dieu me dit, Luce, Dieu a commencé une activité autour de toi au niveau de la France. Et cette activité angélique, ce mouvement angélique a pour but de te favoriser dans ton quartier. Je suis en train de voir comment Dieu va commencer à te favoriser dans les cœurs de tes voisins, de tes voisines comme ça là. J'ai dit même comme ça là. Donc, il commence à te favoriser comme ça au niveau de la France. Et cette faveur que tu auras va même faire en sorte qu'il y a certains business dont ça tardait qui vont ou qui va commencer. I'm sorry for my friend, désolé pour mon français, qui vont commencer à aller comme step by step. C'est-à-dire, Dieu va commencer à te mettre en connexion avec des personnes, mais ça va commencer dans ton environnement. Et les gens vont t'aimer à cause de ta courtoisie. De ta courtoisie. Je parle sur la base de ce que je vois. Donc, je ne fais que dire ce que je vois ici en esprit. C'est la raison pour laquelle j'annonce à ITS, la saison de la gloire est arrivée. La saison de l'élévation est arrivée. La saison de la réussite est arrivée. Je décrète et déclare, pendant que tu t'accroches à ces paroles en me donnant des amens, que là où il y avait des difficultés au nom puissant de Jésus-Christ, ces difficultés se voient être résolues au nom de Jésus. Je décrète et déclare, maman Anna Cyrielle, maman Anna Cyrielle, je suis en train de voir comment le Dieu des esprits des prophètes commence à vous visiter. Mais la visite dont il s'agit, je ne sais pas, mais ça va toucher votre domaine sentimental. Je vois votre cœur dans le contexte sentimental. Et l'ange de Dieu est en train de me dire, il a même une atmosphère particulière dans la vie de maman Anna Syrienne. De maman Anna Syrienne. Eh oh! Écoutez, il y a même des mouvements qui vont commencer à se faire ici dans le domaine intime et conjugal de plusieurs personnes ici. Parce que pendant que je suis en train de parler, l'ange de Dieu a commencé à maintenant se mouvoir autrement. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu me donnes des amens, mais au-delà des amens, j'aimerais que tu te connectes à la foi, par la foi, à ces paroles au nom de Jésus. Si tu peux te lever là où tu es et crier trois fois amen, n'oublie pas de le faire. Je décrète au nom de Jésus, mes paroles s'accompliront dans ta vie. Mes paroles s'accompliront maintenant dans ta vie. Cette année, elles s'accomplissent. Ce mois de mai, elles s'accomplissent au nom de Jésus. D'ailleurs, pendant que je parle, il est écrit, que la parole qui est sortie ne revient pas sans pourtant avoir effectué ce pourquoi elle est partie. Parce que la Bible dit, les anges sont les exécuteurs de la parole de Dieu. Je décrète que par la parole qui sort de ma bouche, les anges la prennent
et se rassure qu'elle s'accomplisse dans ta vie. C'est l'une des raisons pour lesquelles je commande à ce que la grâce et la bénédiction soient ton partage. Je commande à ce que la délivrance soit ton partage. Je commande à ce que là où tu avais fermé les portes, ces portes s'ouvrent. Je brise les jougs de la maladie sur toi. Je brise le joug de la maladie sur toi. Je brise le joug de la sécheresse sur toi. Pour vous qui sont, qui vous êtes, pour vous qui êtes en train de chercher un nouvel emploi, je décrète et déclare que mon Dieu vous donne un emploi dans les 2-3 mois qui arrivent. Un emploi stable, un emploi bien rémunéré, un emploi qui vous donne le temps aussi de passer du temps avec votre famille. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare, si on a dit qu'ici il faut du temps pour commencer à avoir des stages, j'ordonne que toi tu commences à avoir du stage. Il est écrit, je n'invente rien, les anges obéissent, ce sont les exécuteurs de la parole de Dieu. Alors je mandate les anges afin que eux, afin que ces derniers aillent exécuter la parole de Dieu qui est sortie par ma bouche. Je te bénis par la terre. Je te bénis par les cieux. Je te bénis par l'eau. Tu es un royaumiseur appelé à réussir. Olivia, ma fille, je te vois dans ton appartement à toi. Maraki Jebele Kouchatarabaya. Baya. Je te vois dans ton appartement à toi. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais je te vois dans ton appartement. Je crois que ceci est un signe. Je ne sais pas si tu as pensé à ménager et vivre seul. Mais je t'annonce que la saison est bonne. Ceci est un signe. Ceci est un signe. Ma fille, je suis ton père, je connais ta situation, mais là je te parle comme prophète. Il y a une saison pour chaque lieu. Il y a des endroits, si tu insistes, tu vas souffrir parce que la saison est finie. Parfois ça demande d'avoir du courage, de laisser certaines choses afin d'entrer dans certaines autres. Et je vois comment la saison est déjà arrivée. La saison est arrivée. Si tu continues à insister, ça va se corser davantage. J'aime ce que Dieu fait ici à ITS. Donne-moi Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je m'arrêterai ici ce soir. Il est pratiquement 24 heures en France. Demain, c'est samedi. Avant que Samuel ne sorte chaque matin, prends l'habitude de prier pour lui. Parce qu'il y a des relations amicales, des jeunes amis de même tranche d'âge que lui, là, qui ne sont pas chargés positivement. Il faut prier pour Samuel. Même quand il va à l'école, prie pour Samuel. C'était un message que je donne aussi à tout le monde ici.
quand vos enfants vont à l'école, priez pour eux. Vous ne savez pas qui ils rencontrent. Priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour eux. Parce qu'il peut arriver des moments où c'est compliqué. Il y a des enfants qui vont à l'école, mais qui sont chargés négativement. Et quand ils se donnent des choses, ils se partagent les repas, les choses bizarres, il y a des transmissions. Récemment, je suis allé prier, ça fait peut-être 6 mois, si je ne m'abuse, je suis allé prier pour une dame qui travaille dans une école, à la crèche où elle garde des enfants de, je ne sais pas, 2, 3, ou trop 5, 6 ans par là. Mais cette école-là, elle me dit, papa, par jour, on n'a pas moins de 10 bagarres. Tous les jours, c'est comme ça. Pas moins de 10 bagarres. On est dépassé. Et il y a même un enfant qui lui a dit clairement, toi, je vais te tuer. Un enfant. Et qui a cherché à la tuer en l'empoisonnant. Un enfant qui n'a même pas encore 7 ans. Et parfois, il explique, c'est il ou elle, elle explique aux autres, non, moi, et normalement, la nuit, je dors. Je viens, je me transforme comme ça. Elle explique ça aux autres. Pour elle, c'est normal. Un enfant ici au Sénégal, à Dakar. Et ce sont des phénomènes qui sont récurrents et c'est partout. Prenez le soin de prier pour vos enfants. Initiez-les à la prière. Initiez-les à la prière. On enseigne déjà la sorcellerie partout, même dans les écoles. Si on enseigne la sexualité même dans les écoles, alors la sorcellerie, c'est quoi? Faites attention. Que toutes les grâces que tu as eues à recevoir ici, tu les gardes dans le nom de Jésus. Et que qu'une personne ne vienne te les dévorer. Ainsi, j'ai parlé. Va dans cette atmosphère, dors dans cette atmosphère et sois béni au nom de Jésus. Amen. Maman Julie, je finis par vous. L'Esprit de Dieu était en train de me dire ceci. Dieu va commencer à mettre en vous un esprit de réveil. Amen. Dieu va commencer à mettre en vous un esprit de réveil. Comprenez bien ce que je vais dire. Et votre façon de fonctionner même dans la congrégation ne sera pas commune à la manière dont on fonctionne d'habitude là-bas. Amen. C'est ainsi que je suis en train de voir comment, au travers de vous, Dieu va susciter une soif de Dieu dans la vie des femmes. Amen. Autour de vous, là où vous êtes. Amen. C'est comme quelque chose qui vient d'ITS et qui vous prend et qui vous amène. Et Dieu me dit, c'est drôle, j'aime ça. Dieu me dit, quand il vous parle, n'ayez pas peur de parler. Parce qu'il va arriver une saison où vous allez commencer à entendre des voix et voir des flashs. Même en plein culte pendant la prière. Il ne faudrait pas avoir peur de parler. On est une église prophétique ici. Hein? On est prophétique ici. L'autorité se manifeste dans la conscience de celui-ci. Quand tu sais que tu as l'autorité, tu ne forces pas trop, tu parles, ça se fait. Quand tu sais que tu investis, tu ne forces pas trop, tu parles, ça se fait. Et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors pendant 5 à 10 minutes, j'aimerais que nous puissions passer à la phase témoignage. Pendant 5, 10 minutes maximum. Vous êtes là, vous avez des témoignages. Il y a des gens que j'ai dit, vous allez témoigner ici devant tout le monde. C'est important de témoigner. C'est important de témoigner. Alors, vous avez des témoignages. Pendant qu'on prépare nos offrandes, rapidement, vous pouvez vous manifester. Daddy, j'ai un témoignage. Nous vous donnerons la parole et vous témoignez rapidement pour tout le monde. Afin qu'ensemble, nous puissions dire gloire à Dieu. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang, par la parole de leur témoignage. Donc, le témoignage a une puissance. Ça a la capacité d'affaiblir le diable.
Alors, si tu as un témoignage, là où tu es là, tu peux simplement mettre j'ai un témoignage en commentaire pendant les quelques minutes qui nous restent. Nous te donnerons la parole et tu nous béniras par ce témoignage en quelques minutes. Bande blé de qui chatara d'abaya. Lili glaçombe de l'inachi de l'inachi. Ok, donc on va commencer rapidement par Marie Mendes. Après, on va prendre Cecilia. Donc, soyez concis, précis. Marie Mendes, tu as la parole. Bonsoir Daddy, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors je viens ce soir pour donner le témoignage par rapport à ma fille qui était malade. Je suis revenue, j'étais en vacances quelques semaines, quelques jours, et je suis revenue le dimanche soir. À mon arrivée, elle se plaignait de douleurs dans le corps, sur les articulations et partout. Et comme c'est un enfant, je lui demandais si elle était tombée ou bien. Elle a dit qu'elle n'était pas tombée, mais qu'elle avait mal au corps. Donc, elle me demandait de lui faire un petit massage pour qu'elle dort. J'ai fait ça. Après, elle a dormi. Le lendemain, elle est partie à l'école. Et moi aussi, j'étais sortie pour faire mes occupations. Et il s'est avéré qu'elle est tombée malade à l'école. Le directeur m'a appelé 3 fois, mais elle ne m'a pas eu au téléphone. Finalement, c'est sa maîtresse qui m'a appelé pour dire d'aller le chercher. Elle est malade. Je suis partie la chercher. Elle se plaignait toujours des mêmes douleurs du corps. Elle avait la fièvre aussi. Donc, j'ai dû l'amener à l'hôpital pour qu'on la consulte pour voir ce qu'elle a. On l'a prescrit quelques médicaments. Je lui ai donné 2 jours sans réaction. Elle ne se sentait pas mieux. Elle avait toujours les mêmes douleurs. Et après la prière de Daddy le mercredi, qui ont prié sur l'esprit des morts, il avait demandé qu'on applique de l'huile sur nos enfants. J'ai appliqué ça sur elle. Voilà, j'ai prié. Et automatiquement, après la prière, elle s'est sentie mieux. Le lendemain, elle jouait avec d'autres enfants. Et depuis lors, elle est guérie par la grâce de Dieu. C'était mon témoignage. Dieu guérit toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est la preuve que même si tu es malade, Dieu peut toujours te guérir. Cecilia. Salut à tous. Ce soir, je viens rendre à Dieu. Voilà, ça faisait pratiquement 2 semaines que je ne me sentais pas bien. Donc, le vendredi dernier, quand j'étais en période d'examen, j'ai forcé à aller à l'école, mais je n'allais pas bien. J'avais des maux, j'avais mal au corps, j'avais des douleurs sur la poitrine, j'avais aussi une douleur sur le côté et j'avais du mal à respirer. Donc, le vendredi, quand je suis allée à l'examen, donc au retour de l'examen, je marchais, mais je sentais comment mes forces me quittaient. Je me sentais vraiment mal, je me sentais affaiblie. Donc, et je marchais et j'ai humé une odeur de formol autour de moi. J'étais seule et je savais que j'avais affaire à un esprit de mort. D'abord, bien avant ça, je faisais même des rêves où je voyais des gens de ma famille mourir. Et le vendredi, donc quand je suis rentrée
de l'examen, je suis arrivée à la maison, j'ai trouvé ma soeur et je lui ai dit que je me sentais mal. Je fais un tour à l'hôpital, mais je me sentais vraiment, vraiment mal. Donc, je suis partie à l'hôpital le plus proche. J'étais dans le taxi et là, je priais intérieurement. Je rappelais à Dieu ses promesses pour moi. Je disais à Dieu que je ne peux pas mourir. Je refuse de mourir. Je refuse de mourir. Et pendant que je partais, je me rendais à l'hôpital également. Je ressentais comme, des coups de poignard au niveau du cœur. Donc, je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a reçu. Et voilà, je suis rentrée à la maison. Quand je me suis connectée pour la prière du soir, ça n'allait pas. Je faisais des fièvres, je me sentais vraiment mal. Mais je n'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. C'était vraiment une douleur intérieure. C'était compliqué. J'avais du mal à marcher. Et le dimanche, on devait se rendre avec ma soeur chez Daddy. Donc, nous sommes partis. Et cette étape, le lundi, donc on a prié avec Daddy et quelques personnes. Donc, l'ITS, on a prié. Je me sentais toujours mal. J'avais toujours ces différentes douleurs. J'avais une douleur à la poitrine. Ça me faisait tellement mal au point où respirer était devenu un problème pour moi. Donc, le lundi, j'avais du mal également à parler parce que je sentais comment mes forces me quittaient. J'étais fatiguée. Parler, je ressentais également, c'est comme si on avait posé du béton au pied. Mes pieds étaient devenus lourds. J'avais des douleurs au bas du pied également. Me déplacer, c'était vraiment compliqué. Mais même ça, je n'ai pas fait part de cette situation aux parents. Et malgré tout ce que je pouvais ressentir en moi, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur parce que j'ai fait confiance en Dieu. Je suis passée par une situation un peu similaire en 2014 et Dieu m'a sorti de là. Je disais dans mes prières, c'est vrai que je n'arrivais pas à parler, mais je priais intérieurement. Je disais, le Dieu qui m'a fait sortir de cette situation en 2014 est également capable de me guérir de ce que je ressens. Vraiment, c'était compliqué, mais je priais. C'est vrai que je n'avais plus de force, mais je priais intérieurement. Et le lundi, donc, on a prié avec Daddy et certaines personnes, ça allait. Mais vraiment, dans la nuit du lundi à mardi, vraiment, ma situation a empiré. Je pense que c'était aux environs de 3 ou 4 heures. Donc, j'étais allongée sur le dos parce que même m'allonger sur le côté, je n'arrivais pas parce que j'avais des douleurs atroces. J'étais allongée sur le dos et là, les douleurs que je ressentais, en fait, les douleurs que je ressentais au corps, ces douleurs se sont multipliées, au fait. Donc, j'avais tellement mal, mais je n'ai pas réveillé ceux qui dormaient, les personnes qui dormaient avec moi. Je priais, je disais, Seigneur, je te fais confiance. Et durant cette situation, je parlais à mon âme, je disais à mon âme ne t'abat pas. Je refuse que tu sois triste. Mon âme, tu es grand Dieu, mon âme, je vais sortir de cette situation. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est vrai que je ressentais des choses étranges en moi, mais je proclamais la vie en moi. Et cette nuit-là, vraiment, je n'arrivais plus à respirer. Et je ressentais comme si mon cœur arrêtait de battre pendant quelques secondes. Je ressentais cela, mon cœur arrêtait de plus battre. Je n'avais plus de force. Lever la main, je n'arrivais plus. Et je ressentis à l'instant comme mon esprit, mon corps et mon esprit. Donc, il y avait une bagarre au-dedans de moi. Je ressentis comme si mon esprit voulait quitter mon corps et il y avait une puissance qui retenait en fait mon esprit. Malgré ça, je disais, Seigneur, je te fais confiance. Et je me sentais mal, je n'arrivais pas à respirer, j'avais tellement mal. Mais j'ai fait confiance à Dieu et je pense, le lendemain, la prière avec Daddy.
Et aujourd'hui, si je me tiens debout, c'est pour rendre gloire à Dieu parce que ce Dieu qui m'a fait du bien en 2014, il l'a encore fait. C'est vrai que il y a des petites douleurs qui reviennent, mais je crois que le Dieu qui a commencé cette œuvre bonne en moi va la parachever. Je viens dire merci à Dieu. Également, dire merci à Daddy parce que, oui, c'est parce que j'ai un Père qui veille que je peux rendre gloire à Dieu ce soir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le témoignage est important. C'est important de témoigner. Quel que soit ce que vous avez pu expérimenter, Dieu qui vous a sorti, tu avais un petit bouton là, on a prié. C'est important parce que quand tu témoignages, c'est un enseignement que tu donnes à toutes les personnes qui t'écoutent. Le témoignage peut susciter, peut éveiller la foi de quelqu'un. Le témoignage booste quelqu'un. C'est important. Et quand tu témoignes, tu ne le fais pas pour toi seulement, mais tu le fais aussi pour ceux qui t'écoutent. Tu es en train de dire à quelqu'un ici que si Dieu m'a guéri, il peut te guérir. Et je crois dans le nom de Jésus que si Dieu a pu guérir la fille de Marie Mendes, si Dieu a pu guérir Nelly Stresilia, que ce Dieu-là te guérisse totalement également au nom de Jésus. Je commande et déclare que tu es guéri dans les profondeurs des mots, dans le nom de Jésus. Alors Église, que Dieu vous bénisse. Vous avez votre offrande, vous pouvez la prendre entre vos mains. Je vais prier et nous allons nous séparer. Et tel moment, on dit merci à Dieu par une offrande. C'est important. Alors Père, je te dis merci pour toutes les guérisons que tu as opérées. Merci pour la vie de maman Angela qui a été transformée. Merci pour le travail que tu as donné à plusieurs, la santé que tu as donné à plusieurs, pour toutes les manifestations de ta puissance ici ce soir. Aussi, merci pour les témoignages qui ont été faits maintenant et à venir. Nous te donnons et te rendons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Bénis les mains de tes enfants qui te donnent pour voir ceux-là qui n'en ont pas, afin que demain, et puissent te rendre grâce et gloire par leur finance, dans le nom de Jésus. Amen. Comme vous le savez, si c'est une offrande naturelle, envoyez-la naturellement. Et si vous envoyez vos dîmes, prière de préciser en bas au numéro secrétarial qu'il s'agit de vos dîmes. Aussi, si vous êtes une nouvelle personne, nous avons un groupe de l'Église, WhatsApp. On a un groupe WhatsApp de l'Église. Là, on donne des informations et tout. Vous pouvez entrer dans le groupe WhatsApp par le numéro qui est juste épinglé en bas. Écrivez à ce numéro et dites-lui, je veux faire partie d'ITS ou du groupe WhatsApp. Et on vous mettra dans le groupe WhatsApp. C'est important. Également, si vous êtes là, vous êtes marié. Donc, vous êtes là, vous êtes ITS, vous êtes marié. Prière de signaler au numéro secrétarial que vous êtes marié parce qu'on a mis en place une plateforme spéciale pour les mariés d'ITS. Donc, ma fille, la dernière fois, m'a dit, papa et nous aussi, les célibataires. Donc, on n'a pas oublié les célibataires, mais il y a des choses dont on est capable ou on ne doit faire que seulement avec les mariés. Je serai le seul dans ce groupe qui ne sera pas marié physiquement, mais en esprit, je suis marié avec le Saint-Esprit. Donc, voilà, prière de vous présenter et nous allons vous introduire dans le groupe et là-bas, nous aurons des choses particulières qui se feront. Maintenant, si tu mens aussi et tu es marié, ce n'est pas un problème, je saurai. Donc, c'est ça. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. On se voit mercredi. Shalom.